intéressant. Hein? C'est quoi ça? Tamara Stringer, fille du père Stringer, en élément supposé. D'accord. Il y a des livres. Oh, des sous! Des sous! C'est l'argent des abonnés. Oh. Un registre. Paiement pour un sac de grains. Montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusé. Ce serait pas plus simple de s'installer sur la chaise. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellig et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château. Ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi, j'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé, l'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel, un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri, d'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Est-ce que je peux pas me reposer là? Le mec fait une sieste comme ça. C'est qui casse les couilles? Ah, c'est loin, oui, c'est loin. Je comprends pas ce délire de garder son... Merde. La tête du griffon, quoi. Tu vas moins vite, après. Ça aurait pu être du bon. Erreur fatale. Ce salaire lance des malédictions. Très mal ça. Toi tu vas crever toi.
si c'était une bonne idée. Mais je commence à comprendre comment ça marche le système de combat. Donc ça va mieux. Putain, je vais couper le bras quoi. Ouais, mais. C'est à force d'être avec l'autre là, INFR. Ça se passe bien. Ça améliore. Alors du coup ma question c'est comment je fais pour sortir ma deuxième épée? Putain, celle-là elle fait mal. L'épée en argent elle fait grave mal. Parce que du coup... Non mais sors ton épée. D'accord. C'est laquelle qui fait la plus mal? C'est l'épée en argent. J'ai pas fait gaffe à laquelle j'ai. Je suis pas sûr que ce soit celle-là, j'ai pas l'impression de faire 80 à chaque fois. Bah, du coup, il y a quoi là? Des trucs cool. Quel est le truc que j'utilise? Non. Non. Ouais. Pas si vite, tablette. Non mais mec, j'ai pas fait gaffe, hein, c'est bon. Je me suis pas Jean-Michel Forgeron, hein. D'accord. J'ai pas fait gaffe, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Neko? À part des bêtises. Je fais des bêtises, c'est bien ce que je pense. Mais... Ah! Donc j'utilise bien celle qui fait masse de dégâts depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que je fais rien. C'est pas la bonne, voilà. Oh ah voilà. Ça va mieux quand j'utilise la bonne. Je vais peut-être méditer. Je peux voir. Halt. Le baron est là? C'est pas tes oignons. J'ai à lui parler. Ouvrez cette porte. Excusez-moi. On a appris ce qui s'est passé. C'est pas cher. Ouais, on laisse pas les gars comme toi entrer. Mais il ressemble vachement à un mec que j'ai déjà buté. C'est pas comme ça que je vais rentrer. Il faut que je trouve un autre moyen. Je devrais parler aux villageois. L'un d'eux aura peut-être assez de cran pour m'aider. Moi, je vais buter du garde là. Voilà autre chose. Un vieillard fourbu qui n'a pas de pain en me voyant. Allez, papy. Bonjour. Salut à vous. Salut, papy. Les autres villageois ont tous détalé en me voyant. Pas vous. J'ai passé l'âge de détaler. Et puis, qu'est-ce que je risque? Une mort violente? Allez-y pour ce qui me reste à vivre. Quant à me dépecer, ça ne donnera rien. Vous vivez ici depuis longtemps? Mais... j'y suis né. Ça doit bien faire plus de 70 hivers.
Tu peux pas dire que t'as 70 ans. Vous devez connaître le coin par cœur. Pas mal. Écoutez, il faut que j'accède à cette forteresse. Puis-je y entrer sans passer par la grande porte? Vous pouvez, mais peu de gens savent comment. Si vous faisiez, disons, une petite offrande au petit vieux que je suis, je pourrais vous mettre sur la bonne voie. Vous n'aurez pas un sou de ma part. S'il y a une autre entrée, je la trouverai moi-même. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Putain, merde, je suis obligé de payer. Je vais payer. Parfait. Je n'ai guère envie de me prendre le bec avec le garde. Quand le vieux seigneur régnait encore sous Perchefreux, le fils du forgeron fut porté disparu. Tout le village prit part aux recherches. Pas de chance. On finit par le retrouver dans la rivière. Une vraie tragédie. En quoi est-ce censé m'aider? Quelques jours plus tard, une servante retrouva le galurin du petit près du puits du château. Donc soit il l'avait perdu là, soit il était tombé dans le puits. Bien raisonné. On a bâti un sanctuaire à l'endroit où le corps a été trouvé, au nord-ouest d'ici. M'étonnerait pas que vous trouviez un passage qui débouche pas loin de là. Bah, j'étais pas prêt de le trouver. Où est-il, ce sanctuaire? Suivez le sentier qui traverse le village jusqu'au pont. À droite, ouais, après le... Il y a la carte, c'est bon. Est-ce que je peux tuer les oies? Oui! Bon! Le mec fait un carnage dans le village. Hop. Est-ce que je peux jeter les cochons? Ouais. Du rôti de porc. Et du rôti de porc. C'est parfait. Est-ce que je peux méditer? Voilà. Pourquoi t'as plus de respect pour moi? Parce que je tue les animaux. C'est des faux. Ça se mange, donc y a pas de problème. T'as le mec, il peut pas... Ah, mais c'est que j'ai des points, putain, le con. J'ai des points de compétence. Non, pas ça. Mutagène. Mutagène de griffon. Vitalité plus 50, c'est cool. Soleil étoilé. Alors l'alchimie, on s'en fout. Ah oui, d'accord, c'est là. Non, c'est pas là du tout. Ah d'accord, c'est juste parce qu'il voulait que je fasse le tour dans le bon sens. Excuse-moi. Attends, faut que je me redresse. Hop. Ouais. Je tombe de ma chaise.